Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Summer in Mara, live, chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon, maintenant on a la... Oh, on a pas créé la salade. J'ai fait une erreur. Dans les aubergines, on n'a pas la salade. Bonjour, qui est là? C'est moi quoi, la fille. Tout à l'heure, j'ai déjà demandé de partir. C'était poli de ta part d'insister. Tu ne connais pas les bonnes manières. Presque pas, non. Je vais te donner une première leçon par ici. Ici, j'ai de la salade. Qu'est-ce que tu dis? De la salade. À vrai dire, des légumes ne me feraient pas de mal. Presque rien ne pousse ici. Je vous la donne et je m'en vais. Ça va juste... Je vais demander un peu de temps. D'accord, d'accord. Est-ce que vous vivez ici seul? Je vis ici avec mes inventions et mes créations. Le petit robot est adorable. Ce n'est pas un simple robot. Il s'agit de Matt, mon ami. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi ne me recherches-tu? C'est Samy qui m'envoie. Samy, je crois avoir entendu sa voix la nuit dernière à la radio. Jamais je n'aurais cru entendre à nouveau son nom. Comment va-t-elle? Eh bien, elle est triste. Et elle se sent seule aussi. Je vois en direct que les choses ne sont pas bien terminées pour tous les deux, hein? Je ne sais pas, je m'entends très bien avec Samy. Même si elle est un peu très stricte. Oui, Samy a toujours été comme ça. Elle est un peu comme mamie. Elle passe sa journée à me donner des ordres, à me dire comment me tenir et tout. Je crois que vous connaissez Yaya Aku. Samy dit que c'était votre capitaine. La grand-mère? C'est la petite fille de Aku. On a les mêmes yeux, alors ce n'est pas une blague. Cette lettre. Quelle lettre? Petite, petite. Mais la petite fille d'Aku, et c'est à ça que ressemblent tes outils. Mais de quelle lettre parlez-vous? Ne change pas de sujet. Tu ne peux pas être une navigatrice digne de ce nom avec un marteau aussi pitoyable. Il me convient bien. Eh bien, ne suffit pas. Je ne peux pas te voir tant que tu n'auras pas d'outils corrects. À point, c'est tout. Par d'ici, va améliorer. Mais non, c'est vraiment bizarre. Je n'ai pas où s'arrêtent les murs ou comment c'est toi.
Mais je comprends pas. Je vais aller voir Akagi. Vends pas de l'eau par hasard, toi? Elle a des graines de pastèque, par exemple. Un autre poussin dans la colonie. Dormir dans le bateau aujourd'hui. On va aller vendre des objets, ça pourrait toujours servir. Aujourd'hui. Ouais.
Ok, je voulais bien me rendre un service. Qu'est-ce qu'il te faut, petite? Eh bien, j'ai ce marteau en métal. Je voudrais l'améliorer, je vois. Je n'ai pas le temps pour le moment. Si je te dis comment faire, tu penses y arriver tout seul? Je pense. Alors voilà les instructions. Fabrique un marteau de forgeron comme le mien. Deux lingots d'argent. Excellent. Un seau et des clous. Thank you.
La 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 la. Avec les réservoirs, selon moi, je pourrais avoir de l'eau. Jenna Kathleen, salut. Jenna Kathleen. Hurricane, salut. What's up, everyone? Maintenant, j'ai un marteau de forgeron. Pas mal. Attendez un peu. Nous devons parler des élites. Des élites? Je les ai vus sur quoi, Alice? Sammy m'a dit de vous interroger à leur sujet. Qu'est-ce que c'est des élites? Bon, un marin. Est-ce que vous les connaissez? J'ai lu des traités concernant leur technologie. Toutefois, ils appartiennent à une civilisation obsédée par le progrès. Quel qu'en soit le prix, les élites sont dangereux. Ils épuisent les ressources naturelles des planètes pour leur progrès. Sammy m'a dit de vous pourriez m'aider à enquêter à ce sujet. Je me mets bien des élites. Je m'en sors très bien sur cette île, loin de tous les problèmes. Mais nous devons les affronter. Mara est en danger et vous pouvez m'aider. Je ne peux plus aider Mara. Je ne pense pas pouvoir faire grand-chose. Et je vais te donner un conseil. La meilleure chose à faire est de t'occuper de tes affaires. Vis bien en paix. Est-ce que tu vis bien? Je crois. Toutefois, je suis sûr que tu n'as pas d'étable. Étable? Oui, une bonne étable. Mais quel est le rapport avec ce dont nous discutons? Oublie les élites et tout le reste. À présent, le plus important pour toi, c'est de construire une étable et de vivre une vie plaisible dans ta ferme. Je te donnerai un de mes moutons et tu pourras l'installer dans ta nouvelle étable. Est-ce que vous allez me montrer comment en fabriquer une, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai une tête d'architecte? Si nous connaissons un arc. Je connais un arc à Aqualis. Il n'y en a pas de meilleur qu'un arc pour construire une étable. Va lui demander de l'aide. Est-ce que vous m'aiderez avec les élites après? On verra. Bon, ici, il faut aller chez les pierres. À 7, on manque 3.
Yep, 9. Allez, 10. 10, yes.
Bonjour, que veux-tu? Awan, il me faut une étape. Une étape sur la planète Ankora, nous avons les meilleures étapes. Ah, parfait, est-ce que vous pouvez m'apprendre à construire une? Le problème, c'est que je suis débordé en ce moment. Le Fichutaka et sa buvette me piquent tous mes clients. Si seulement j'avais le plus grand stock de farine, est-ce que je peux vous aider? As-tu des graines de blé? Non. As-tu du blé? Non. As-tu du moulin? Non. Il me faut un moulin. Tiens, prends ces graines et le blanc pour le moulin. Si tu m'apportes beaucoup de farine, j'aurai peut-être le temps de te montrer comment construire une étape. Tenez, merci, j'ai dû abandonner l'idée du buste. J'ai demandé à Kaji la forgeronne de me faire un moule, mais ça ne m'a pas plu. Elle n'est pas parvenue à saisir mon allure. Le résultat était moche. Elle m'avait représenté avec un montant horrible. Quel dommage pour postérité. J'aurai d'autres occasions de laisser ma marque sur la génération future. Ne t'en fais pas. J'aimerais aussi faire quelque chose pour la prospérité. Passons à un accord. Si tu m'apportes davantage de ce métal spécial sous forme de lingot, je te l'achèterai à bon prix. Tu seras présent dans mes livres de Kant pour la postérité. Super. S'il te plaît, ne m'embête pas. Bon, allez. Le moulin. Je fais des clous. De la forge me plaît, mais j'aurais aimé ne pas me salir autant. On va le voir marcher s'il vend des clous aussi. Avant des clous, hein. Bon, bon, clous. Super, mon propre moulin. Je vais préparer les champs de blé pour fabriquer des sacs de farine. Oh, on en a besoin. 10 sacs de farine. Ou 10 clous. Mmh.
Quoi ça? Truffle. Les truffes sont rares et délicieuses à convoquer avec des marchands. Truffle avait de la marde de... Hehehe
On va aller voir Arwan pour les tables. Salut Zélio 59. Bonjour, ça y est, j'ai la farine. Alors, je te demande de me laisser Bram tranquille. Hein? Écoutez-moi bien.
C'est vous qui allez laisser Mayo tranquille. Elle me vole mes recettes. Elle est simplement curieuse. J'espère que votre établissement mettra la clé sous la porte. À la suite d'une inspection sanitaire, il y a des poils d'arc et des chats dans tous les recoins. J'espère que la marée emportera votre buvette minable. Et ça vous fera bien plaisir, pas vrai? Adieu, monsieur. Adieu, j'espère ne plus jamais vous revoir. C'était intense. Qu'est-ce qui se passe? Ils nous ont surpris par la mémoire en train de discuter, et puis ils se sont tous les deux énervés. Ouais, pourquoi? Ils ne s'entendent pas très bien. Ça n'a jamais été le cas. Je comprends pas pourquoi, pourtant, ils sont tous les deux vieux. Bah oui, hé! Voilà la farine. Parfait, pile à temps pour prouver à Taka qui prépare les meilleurs fajitas de Qualis. Merci, Koa. Voilà le plan pour construire une étable. Merci, super. Je vais rassembler les matériaux nécessaires et je vais pouvoir enfin avoir une étable avec des moutons. Et ben, une étable. Mon travail à la forge me plaît, mais j'aurais bien aimé. Merci de tout. Peut-être que je peux construire des clous, là, par exemple. Non, j'ai pas la recette pour les clous. On vendait des verres tout ce temps-là, je cherchais tantôt. On va mettre les pierres en vente. Thank you.
Il n'y a plus de clous. La corde et des planches, ça doit être pas facile.
Abdel Jazari, comment ça va? Ok, comme d'habitude. Pourquoi c'est une photo de femme dans ton profil en passant? Non. Bon, on voit pas. On va pouvoir faire des tables pour les moutons. Ah, je savais pas. Je pensais à Abdel, c'était un nom de gars. J'ai connu un Abdel, quelques Abdels, c'était tous des gars. Je vais prévenir Duna. Peut-on me parler des élites de Duna, à Duna? Encore trois clous. Ça va, Charlie? Couchant.
Ouais, j'ai déjà une étable. Il s'avère que les moutons sont très calmes. Je suis contente de l'apprendre. Est-ce qu'on peut enquêter sur les élites et ce qu'ils manigancent maintenant? Oui, bien sûr. Mais dis-moi, est-ce que tu rentres chez toi tous les soirs pour le reposer? Eh bien, il arrive que je dois dormir dehors, évidemment. Et où dehors? Tu es à l'extérieur, on peut voir les étoiles, des magnifiques. Ah! Tu ne peux pas dormir dans ces conditions si tu ne reposes pas. Comment quand tu affrontes les élites? Il te faut une tente. Comment ça, tu pourrais mieux te reposer, même si ce n'est pas chez toi, ça ne me dérange pas. Les élites, ce n'est pas le moment de parler des élites. Si tu es la petite fille de Haku, j'ai pour responsabilité de prendre soin de toi. Tu as la chance. Je sais comment fabriquer des tentes, mais je ne suis pas une aventurière. Il te faudra aussi un sac de couchage. Je connais un aventurier, Onzo le chaman. Je suis sûr que vous le connaissez. Vous devrez bien... Voyons, vous vous entendrez bien. Voilà. Va lui parler, il t'expliquera comment fabriquer une tente. On parlera des élites après. Oui, c'est ce que vous m'aviez dit la dernière fois. Je le jure, le cœur du malade, Très bien, qu'est-ce que... On pas des clous par hasard, toi? On des vis, pas des clous. Ok, allez. We'll be right back.
tordu, ce chien-là. Sandy, est-ce que tu aurais un sac de couchage par hasard, s'il te plaît? Merci d'avoir de ma spécialité. Je vais te montrer comment trouver un qui soit aussi confortable que le lit. Tu me rends toujours service, mon ami. Les aventuriers se doivent de s'entraider. Existe-t-il beaucoup d'aventures en chemin? Malheureusement, non. Très rare d'en croiser. Nous sommes nombreux, alors je suis, pour ainsi dire, unique. Tous mes ancêtres étaient des aventuriers. Je me devrais de marcher dans leurs pas. Tes parents étaient aussi. Eh bien, je n'ai pas de parents. Nous autres, les chamans, sommes des créatures particulières. Nous sommes tous spéciaux à notre façon. On ne trouve jamais deux chamans qui se ressemblent. Ok, je comprends mieux pourquoi Mayo est comme ça. Il n'est pas notre meilleur représentant. Peut-on voir demain après avoir fabriqué les sacs de cœur, j'ai l'attente. Les grands spectateurs savent de nombreuses choses, toi aussi. Est-ce que tout se passe bien dans ton étable? Est-ce que tes brebis produisent du lait? En laissant en envie, je ne leur mets pas de pression, mais j'imagine une boisson spéciale, je suis certain que tu vas adorer. Qu'est-ce que c'est? Du chocolat chaud. Prends ces fèves de cacao, reviens avec du chocolat et du lait et tu verras ce qu'on peut faire. Avant des clous, il cette histoire de chocolat et de lait a l'air d'être une idée génie. J'en faisais tout le temps avant, mais ces derniers temps... Ah, oh, tu es de retour. As-tu tout ce qu'il te faut? Oui.
Tu vas voir, il te prépare à merveille. Koa, je suis désolé, je ne peux pas m'en occuper pour le moment. Tu dois finir certaines choses. Mayo peut te le donner la recette. Bon, d'accord. Pardon, Clément, on le fera un autre jour. J'ai beaucoup de travail pour le moment. C'est dommage. Je ne supporte pas ce maudit Taka, il m'agace. Qu'est-ce qui ne va pas? Il me vole tous mes clients. Presque plus personne ne vient à mon restaurant. J'en suis désolé. Il me faut du neuf. Je dois créer un plat complètement inédit. Pourrais-tu m'aider? Il y m'a parlé d'un endroit où il est possible d'attraper les scalaires. C'est un des meilleurs poissons qui soit. Je peux m'en apporter, d'accord. Je vais y aller en bateau. Je vais rester ici pour préparer les ingrédients. J'ai apporté le poisson qu'il vous faut. Parfait. Tout est prêt pour la nouvelle recette. Vous savez quoi? Taka et vous n'êtes pas si différents que ça. Comment? Pourquoi dis-tu ça? Vous adorez cuisiner tous les deux et vous travaillez toute la journée. Peut-être qu'en alliant vos forces, vous n'auriez pas travaillé autant. Ça, jamais. D'accord, calmez-vous. Tiens, c'est pour la poisson et à présent, je dois créer. Avant, vous n'avez pas l'air d'aller bien. Il travaille trop. Je crois qu'il est malade. Je dois créer plus de recettes. Non, vous devez vous reposer, patron, et moi aussi. Mais tu n'es pas malade, c'est au cas où. Je vais vous rapporter de la soupe, et du thé, et du jus d'orange. Vous avez besoin de beaucoup de fluides. N'en a pas obligé, je reviens tout de suite. Une soupe aux champignons, et du thé. C'est lui qui vend le lait à voir ça. Viens quand tu voudras. Mais non, moi pas, je suis occupé. J'espère que ce thé vous fera du bien. Oui, il devrait. Mais il faut que je me remette au travail. Non, vous devez vous reposer un petit moment. Personne ne veut manger de la nourriture préparée par quelqu'un de malade. Ouais, raison. D'accord. Je vais me reposer. Pardon, quoi, mais j'ai de la cuisine à faire. Mayo, je m'inquiète un peu pour Awan. Il travaille trop, il se rend malade. Je crois que la soupe que tu lui as apportée ne suffit pas. Non, je pense qu'il devrait travailler avec Taka. Qu'est-ce qu'il te faut? Il ne dort pas bien, il est toujours débordé. Il travaille avec Taka et apprendrait des choses. Il pourrait partager leur clientèle. Ça vaudrait mieux pour tous les deux. Et je pourrais être la patronne de Bran. Je ne sais pas si ça fonctionne comme ça. Bran pourrait aussi s'occuper du service. Le problème n'est pas là. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Les alliés, ensemble, Bram et toi et moi, on devrait arriver à leur faire attendre à présent. D'accord, va chercher Bram. On se retrouve ici un peu plus tard. Bah, maintenant c'est moi qui ai besoin de service. Qu'est-ce qu'il te faut? Nous devons retrouver Mayo allant à l'arrière-cour du restaurant d'Awan. Pourquoi? Nous devons aider Taka et Awan. Je crois qu'ils feraient un bien meilleur travail ensemble qu'en s'affrontant. Mais Taka dit, peu importe ce qu'il dit, est-ce que mon aide a été utile? Extrêmement. Alors imagine ce que Taka pourrait faire avec un peu d'aide. C'est vrai. Alors allons-y. Taka ne doit pas remarquer mon absence. Tu veux bien détourner sa attention? D'accord. Taka, comment allez-vous? Bien. Je suis assez occupé là. Je vois ça. As-tu besoin de quelque chose? Non, pas vraiment. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Je détourne votre attention. Quoi? À plus dans le bateau. Dans le bateau-bus. Quoi, hé? Parfait, on est tous là. Et si on nous surprenait? Ne sois pas lâche.
Nous devons faire en sorte qu'Awan et Taka travaillent ensemble. Ils semblent s'entraideront bien. Et je suis sûr qu'Awan pourrait mieux se reposer et Taka pourrait lui apprendre des spécialités Kuido. C'est l'alliance parfaite. Ça se tient. Mais c'est aussi fou. Ne dis pas ça, nous devons simplement prouver qu'ils peuvent s'aider. Et si on faisait goûter à chacun un plat de l'autre, jamais. Ils ne mangeraient jamais le plat de l'autre. On pourrait les rouler pour qu'ils le fassent. Je ne sais pas. Les rouler n'est pas si mal. Mais pour la bonne cause, c'est vrai, évidemment. Je ne sais pas. On va les rouler. Pardon quoi, mais je suis accusé d'affaire. Ouais, j'ai presque tous les éléments de prêt pour ma suggestion de minute Taka. C'est génial. Mais il manque une ou deux choses. Il me faut de la farine et du calmar pour préparer la sauce pour la transpage. Je peux t'apporter ça, la farine et du calmar. Bien sûr, évidemment. Je crois. On va aller acheter de la farine, ça va sauver du temps. Choses en même temps. Les œufs sont où? D'autres choses? Non, ça me suffira. Maintenant, nous devons donner ça à mon oncle. Bonne chance. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai préparé un menu complet. Oui, entrée, premier plat, second plat et dessert. C'est incroyable. Tout ça pour... Ça fait seul, oui. Je n'ai pas aidé, promis. C'est vraiment pas mal. Félicitations, merci. Est-ce que tu veux vraiment devenir un chef cuisinier? Oui, monsieur. J'adorerais avoir mon propre bateau-restaurant. C'est une idée complètement folle. Je t'aiderai du mieux que je peux. Vraiment? Promis. Bien quand tu voudras. Vous avez entendu parler d'Awan? Rien à son sujet m'intéresse. Il est un peu tombé malade à cause d'une nourriture invariée. Non, il travaille trop. Il ne se repose pas assez. Eh bien, j'en suis désolé pour lui. Ça me fait plus de clients. Vous ne voudrez pas aller l'aider? Peut-être que vous pourriez l'aider. Il a besoin d'une pergola. Quoi? Je dois fabriquer une pergola pour cette table. Ses clients se plaignent du soleil. Eh bien, on est sur les plages après. Donc, apporte-moi du métal et du bois et du tissu. Voilà, acheter du tissu. On va voir ce qu'elle a quelque chose à dire en passant. Voilà, quoi. Pardon, ok. Je m'en charge. Parfait. Avec tout ça, je pourrais fabriquer une pergola. D'accord, est-ce que je pourrais avoir une portion de palo de marinière à emporter? Évidemment. Ça ne fera pas à manger ici, non. C'est pour nos... Ok, je vois. Il lui de faire réchauffer le plat avant de manger. Ce sera meilleur. D'accord, je dirais. Est-ce que vous voulez goûter à mon plat? C'est toujours intéressant. Voyons ce que tu en penses. Ce n'est pas mal du tout. Et la sauce est vraiment très bonne. C'est un plat de Taka, quoi.
À quoi est-ce que tu pensais? Et ce n'est pas grave. Si vous ne vous entendez pas, c'est parce que vous ne vous connaissez pas si vous deveniez amis. Jamais de la vie. Et c'est reparti. Vous avez parlé à Arwan? Non. Comment ça? Vous savez pourtant déjà qu'il est doué. Il n'a pas l'âme de maître. C'est un cuisinier médiocre, tout comme vous. Je suis le fils et le petit-fils de maître, et Arwan est venu de très loin pour apprendre. C'est un honneur de sa part. Je pourrais être un très bon partenaire. Autant que je suis très bon élève, on le verra. D'ailleurs, j'aimerais ne plus être votre élève. Je le savais, mais je vais te révéler un petit secret. Bon, on va voir ce qu'on peut faire, une tente. On va créer aussi un réservoir d'eau. Arrête pas pour remplir les bouteilles d'eau.
Donc c'était tout pour le live du caribou canadien du jeu Summer in Mara. Oh yeah!